corde à l'extérieur. Inside. D'Italie, from Italy, Christian Scassellati. À ses côtés, on retrouve donc l'Allemagne, from Germany, Maurice Marosi. Et on représente in France, Enzo Malfoy. Et son coéquipier de team, Simon Bretin. Allez, trois médailles à aller chercher. Et un titre de champion d'Europe, deux Français, un Allemand, un Italien. Il va falloir faire du bruit si vous voulez que vos favoris l'emportent. Allez, athlète prêt au départ. Chut. Allez, on est parti. Correct start, correct start. And Enzo Malfoy, Enzo Malfoy. And the German guy. At last. Le meilleur départ qui a été pris par l'Italien Christian Scassellati, Enzo Malfoy en deuxième, Simon Bretin en troisième, Maurice Marosi en quatrième. Qui va devenir champion d'Europe? Pour l'instant, toujours Christian Scassellati, Enzo Malfoy en deuxième, Simon Bretin. Enzo Malfoy peut-être, Christian Scassellati, Enzo Malfoy, Simon Bretin, Christian, Enzo Malfoy, Enzo Malfoy, ou peut-être, oulala, on va voir, il me semble que c'est Enzo Malfoy. On va attendre le résultat dans quelques secondes. Est-ce que Enzo Malfoy devient champion d'Europe 2023? Réponse dans quelques secondes sur le panneau d'affichage. I think we will need a photo finish. On va avoir besoin de la photo finish. C'était vraiment so very, very close between Enzo Malfoy. Enzo Malfoy, Christian Scassellati. Enzo Malfoy, l'European champion! L'European champion from France, Enzo! Malfoy! Comment dites-vous, Enzo? Ils ont mal foi, ma foi. Et le deuxième de ces championnats d'Europe, Vice European Champion.